Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une marque de vêtements cette année et comment vous allez pouvoir gagner de l'argent en ligne grâce à cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez que Marc passe pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent. Donc cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. Donc comment créer un business, de vêtements, donc comment créer une marque de vêtements en ligne cette année sans investir beaucoup d'argent et en partant de zéro sans expérience. C'est exactement ce que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. Donc, restez bien avec moi. Je vais vous montrer chaque étape ici sur mon écran. J'ai tout préparé. J'ai préparé les différentes étapes, les différents sites internet que vous allez pouvoir utiliser afin de pouvoir créer cette marque de vêtements. Donc déjà, enlevez de votre tête toutes les barrières que vous pouvez avoir, toutes les barrières limitantes psychologiques que vous pouvez avoir, qui vont vous dire par exemple, je n'ai jamais créé une marque de vêtements auparavant, je n'ai jamais eu de stock, je n'ai jamais créé de logo, je n'ai jamais fait ça, oubliez toutes ces choses-là. Cette année et en 2023, 2024, 2025, vous allez pouvoir tout simplement créer une marque de vêtements aussi simplement, donc très simplement, comme vous ne l'avez jamais imaginé. Il est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez imaginer de créer tout simplement une marque de vêtements. Et je vais vous montrer exactement pourquoi il est très simple de créer une marque de vêtements. Parce qu'il y a des plateformes comme Etsy, comme Redbubble, par exemple, qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle du print on demand. Le print on demand, c'est tout simplement le fait que en fait, vous n'avez pas de stock et que vous n'avez pas besoin d'imprimer en fait, des logos sur un t-shirt, etc. Il y a déjà des entreprises qui s'en occupent pour vous. Vous avez juste à imprimer en fait des designs, les envoyer par exemple sur une plateforme comme Redbubble et en fait les clients vont acheter directement sur la plateforme. Je vais vous montrer ici sur mon écran, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc nous sommes ici sur mon écran et je vais vous montrer Redbubble par exemple. Vous allez sur Google, vous tapez Redbubble, sur Google. Redbubble tous et je suis sur redbubble.com. Donc vous voyez en fait les motifs que vous voyez sur ces t-shirts, eh bien ce sont des motifs qui ont été tout simplement importés sur la plateforme Redbubble par des artistes indépendants et ensuite une fois qu'il y a une personne qui achète ce t-shirt, eh bien Redbubble va s'occuper de la confection du t-shirt, va imprimer le logo en fait sur le t-shirt, va envoyer le t-shirt directement au client sans que vous n'ayez rien à faire. Donc Redbubble, c'est un site qui est visité par des millions de personnes. Vous allez le voir ici sur SimilarWeb. Si on tape pour, tout simplement Redbubble, voyons voir à quel point c'est visité par les gens. Redbubble.com et Redbubble.com, vous voyez, ils ont des visites totales de 24,5 millions de visiteurs par mois. C'est tout à fait énorme. Donc en fait, c'est une énorme marketplace qui va vous permettre de vendre tout simplement vos créations et notamment votre marque de vêtements. Maintenant, vous allez me dire, ok Sam, mais je ne sais pas créer une marque de vêtements. Je n'ai pas les compétences techniques, je ne sais pas comment faire. Eh bien, je vais vous montrer maintenant comment vous allez pouvoir faire d'une façon très facile. Vous allez simplement sur Printify et vous allez tout simplement pouvoir créer et vendre des custom products. Donc vous voyez ici, vous pouvez créer une marque, un logo et quand une personne va l'acheter, Printify va s'occuper en fait d'imprimer le t-shirt, enfin d'imprimer le logo sur le t-shirt et d'envoyer directement cela à votre client. C'est ce qu'on appelle tout simplement du dropshipping mais également du print on demand. Ok ? Vous n'allez jamais avoir le t-shirt entre vos mains si vous ne voulez pas l'avoir entre vos mains. Mais une fois que votre client va l'acheter, en fait, Printify va s'en occuper. Ce qui est bien avec Printify, c'est que vous allez pouvoir connecter cette plateforme en fait, avec une plateforme comme Shopify qui va vous permettre de faire le dropshipping. Et en fait, comment ça se passe? Si vous passez par Shopify, vous allez simplement vous occuper en fait, du marketing. Vous allez vous occuper de penser également au design, au logo que vous allez pouvoir par exemple créer sur Canva. Une fois que c'est fait et que vous avez des ventes sur votre boutique Shopify, vous connectez cela à Printify et Printify s'occupe du reste. Une fois, chaque fois que vous avez tout simplement une commande, Printify en prend note,
imprime le logo sur le t-shirt, l'envoie directement à votre client et récupère une commission. C'est exactement de cette manière que se passe en fait le print on demand et le dropshipping avec Shopify et Printify. Maintenant, si vous passez par une plateforme comme Redbubble, eh bien vous n'avez pas besoin en fait de vous occuper de la partie marketing, tout simplement parce que Redbubble, c'est déjà une marketplace en elle-même. Donc vous n'avez pas besoin de créer en fait un site Shopify afin de pouvoir faire tout cela, si vous comprenez bien le concept. Également, Etsy France, c'est tout simplement également une marketplace. Donc si on tape par exemple 4 t-shirts sur Etsy, vous tapez 4 t-shirts et vous voyez qu'il y a également un tas d'idées que vous pouvez avoir. Donc, à vous, les amis, en fait, de choisir quel genre de marque vous allez créer. À partir de là, c'est très, très simple. Vous pouvez simplement aller sur des marketplaces comme Etsy, comme Redbubble pour vendre directement vos produits sans faire de marketing. Ou alors, vous pouvez tout simplement créer une boutique Shopify, faire de la publicité via Google, via YouTube, via Facebook, Instagram, etc. afin d'apporter du trafic sur votre site et ensuite vendre en fait vos créations, vos t-shirts. Maintenant, vous pouvez facilement créer un logo, par exemple, grâce à Canva, ou faire appel à une personne qui va créer votre logo directement sur Upwork. Je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez aller simplement sur Upwork. Vous allez simplement sur Upwork et vous allez pouvoir engager des personnes, là, Upwork.com, engager tout simplement des personnes, des graphic designers qui vont créer votre logo. Maintenant, un logo, ça se crée facilement. Vous pouvez aller simplement sur Canva, donc Canva.com, vous créez un logo. Et ça va vous permettre simplement de créer votre identité graphique pour votre t-shirt. Donc, allez sur Canva, vous allez sur la rubrique logo. Je vous montre ça. Canva. Donc, canva.com. Vous allez simplement sur la rubrique logo. Vous tapez ici logo. Vous tapez logo sur Canva et ça va vous permettre facilement en fait, de créer un logo pour votre nouvelle entreprise, votre nouvelle marque de vêtements. Donc là, on n'est pas connecté sur Canva, mais je peux avoir n'importe quel logo que je veux. Par exemple, disons ce logo, il va m'intéresser. Lion King Luxurious. Donc, ça va être un logo de lion. Ensuite, ce logo, vous pouvez tout simplement l'imprimer sur des t-shirts. Et les t-shirts vont être envoyés directement à vos clients grâce à Printify, comme j'ai dit. Donc, clairement, les amis, cette année, on n'a aucune excuse, en fait, pour ne pas commencer une marque de vêtements. Si votre rêve, c'est de commencer une marque de vêtements, c'est faisable très, très facilement grâce à toutes les plateformes que je vous ai montrées ici. Etsy, Redbubble, Canva, Upwork, Printify, Shopify. Toutes ces plateformes vont vous aider tout simplement à créer votre marque de vêtements en 2023. Donc, c'est très, très simple. Et si vous avez encore plus la flemme, les amis, si vous avez encore plus la flemme de faire certaines étapes, eh bien, vous pouvez aller simplement sur Midjourney. Et Midjourney, en fait, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des images et des logos. Donc, c'est juste incroyable ce qu'on peut faire. Regardez ces images, en fait, qui ont été tout simplement générées par l'intelligence artificielle. Par exemple, le pape avec une doudoune ou Donald Trump en train d'être arrêté par la police. Regardez, c'est juste exceptionnel ce qu'on peut faire avec Midjourney. Moi, ça me fascine et ça me fait peur en même temps. Mais en gros, les amis, voilà, je vous ai montré facilement en quelques minutes à quel point il est simple de créer un business de marque de vêtements. Et si vous voulez un moyen encore plus simple de pouvoir gagner de l'argent en ligne maintenant, rapidement, simplement, cliquez simplement sur le premier lien dans la description qui va vous montrer cela, un workshop 100% gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne cette année. En attendant, les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Okay. Ça aide beaucoup la chaîne, donc lâchez un énorme like. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rater aucun contenu à venir. Commentez juste en dessous et dites-moi, est-ce que vous êtes prêt désormais à créer votre marque de vêtements après avoir regardé la vidéo. Regardez également cette vidéo juste ici. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.